Et voilà, bonjour, bonjour, Ivoirien, Ivoirienne, bonjour, Africain, Africaine, bonjour, chers enfants d'Afrique dispersés partout dans le monde et dans les Caraïbes, bonjour, oh, Ali Bongo dit de make noise, ma façon de moi, make, à make noise, c'est danser. Vous savez pourquoi je danse? Je suis très heureuse. Et vous savez pourquoi je suis très heureuse? À cause du résultat des élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire. Et il fait chaud. Vous allez être surpris, hein? Mais je vous dis que je suis très contente des résultats. Je suis très contente de la façon dont les choses se sont passées. Et je vous explique pourquoi. En 2010, le PDCI a appelé à voter contre le FPI. En 2020, le PDCI a vu que ce n'était pas bien. De 2010 à 2020, il y a eu 10 ans. Le PDCI a eu le temps de voir. Aujourd'hui, nous sommes en 1923, en 2023. Ma joie vient de quoi? De ce que réellement le PPACI et le PDCI se sont mis ensemble. Oui. On me dira que oui, dans certaines communes, il y a eu des accros et tout et tout. Ça là, c'est l'ordre normal des choses. Ils auraient dû se mettre ensemble, c'est vrai. Mais on ne peut pas aller plus vite que le temps. Il faut donner le temps au temps. La plante, avant de pousser là, avant de sortir là, elle prend ses racines, elle fabrique ses racines dans le sol avant de sortir. Quand tu as planté le grain de maïs là, il ne sort pas le lendemain. Il prend du temps avant de sortir. Il pourrit. Et ensuite, il fabrique ses racines. Il s'accroche solidement au sol avant de sortir les premières feuilles. Et il prend son temps. Ce n'est pas quand tu as vu la plante sortir de terre que le lendemain tu viens, il y a des épis dessus. Non. La plante va prendre le temps de grandir, de prendre la force dans le sous-sol, dans ses racines, et aller vers le soleil. Elle va prendre le temps de grandir. Je vous dis que moi, je suis une villageoise. Même si je n'ai pas grandi au village, je suis un enfant d'Abidjan. Je suis né à Boaké, j'ai grandi à Abidjan. Je suis un enfant d'Abidjan. Je n'ai pas grandi au village. J'ai connu mon village quand j'avais 17 ans. Mais plusieurs pensent que j'ai grandi au village. Mais je suis une villageoise. Je suis une personne qui est attachée à notre cosmogonie. Donc, des choses me viennent comme ça. On ne me les a pas apprises. Je l'ai dit. Ce que je suis en train de vous dire là, on ne m'a pas appris ça. Ça vient tout seul. Alors, donc, le grain de maïs que tu as mis en sol, il pourrit avant de sortir. Il s'encastre dans le sol d'abord avant de sortir. Et quand il sort, il pleut. Il faut qu'il s'accroche à ses racines pour ne pas être emporté par l'eau. Et la plante va grandir pour aller vers le soleil. Elle va être attaquée par les prédateurs. Elle va être attaquée par les insectes. Le soleil va la taper. La pluie va la taper. La plante. Jusqu'à ce que les premiers épis sortent. C'est un processus dans lequel le grain de maïs que tu as planté va traverser. Avant de te donner les épis de maïs. Pour un grain de maïs que tu as planté, tu vas avoir plusieurs épis de maïs. Alors, je ne vais pas aller loin, loin, loin. 95, on sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On avance. On arrive en 2000. On avance. On arrive en 2010. On avance. On voit les différentes alliances, les différentes ceci, cela. On voit, on est fâché et tout. Pendant que d'autres pleurent, d'autres rient. Jusqu'à on est rendu aujourd'hui. D'abord en 2020. Je suis la même Ebène Boigny là. Qui disait, mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble. Même désignez un seul candidat. Ma vidéo est encore sur la toile. Oui, quand tu as posé des actes, il faut les rappeler. Il faut les rappeler. Et je viens ce matin vous dire, ne vous lamentez pas. Ne pleurez pas, jubilez. Dites merci à la plante qui est en train de pousser.
Oui, il y a eu Pougon, il y a eu ceci, il y a eu cela. Moi, je dis que c'est l'opposition qui a perdu. Personne n'a perdu en particulier. Cette débâcle-là, prenons ça et puis soyons joyeux. Pourquoi? Parce que le RDR s'est dévoilé. Le RDR a montré quel genre de parti politique il est. Quel genre de groupement d'individus qui ont les mêmes aspirations, qui ont la même ADN, qui ont la même vision se sont mis ensemble. Alors ne jetez pas la pierre à quiconque. Ne jetez la pierre à personne. Donnez le temps aux gens de prendre leur marque. Avec le passé que nous connaissons, avec les rancœurs des uns et des autres, avec l'assurance que les uns et les autres croyaient avoir, aujourd'hui le résultat est là. Mais ce n'est pas une défaite. C'est une victoire pour l'opposition. Moi, ma victoire, la victoire que je vois là, c'est que le PDCI et le PPACI se sont mis ensemble. Et dans les années qui vont venir, l'alliance va se renforcer parce que chacun aura compris qu'il n'est rien sans l'autre. Je l'ai dit dans une de mes vidéos. Vous pensez que vous êtes fort chacun? Vous n'êtes pas fort chacun. Vous êtes fort ensemble. Alors si les résultats, supposons que selon ce qu'on avait voulu, là, chacun avait gagné de son côté. Est-ce que l'union allait se faire? Non. Aujourd'hui, le PPACI et le PDCI ont compris qu'ils ont les mêmes intérêts. Je crois et je suis sûr. Les intérêts individuels vont disparaître au profit de l'intérêt national et général. Oui, voilà pourquoi je make noise ce matin. Voilà pourquoi je suis contente, je vous dis. Oui, j'ai fait des commentaires quelque part. S'ils avaient vu, ils s'étaient mis ensemble. Oui, ils se sont mis ensemble aujourd'hui pour... Ils se sont mis ensemble aujourd'hui pour dénoncer. Qui avait pensé ça? Est-ce qu'un de vous avait parié ça pendant les campagnes? Non. Et il ne faut jeter la pierre à personne. Moi, je vous dis, ne jetez la pierre à personne. Vous savez, la mer, là, l'océan, là. Tu peux jeter tout ce que tu veux dans l'océan. L'océan ramène. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas chercher aujourd'hui, ouais, c'est tel parti qui est allé faire alliance là-bas, puis ça a gâté. Je ne cite pas de nom, vous allez comprendre. Ne jetez la pierre à personne. Il fallait que ça arrive pour que ce qui doit arriver arrive. L'union des Ivoiriens. Alors, il faut danser. La poussière est retombée. Revenez à vous et puis dites, mais oui, on a parcouru du chemin. Vous ne trouvez pas? Vous ne voyez pas que nous avons parcouru du chemin et que nous sommes arrivés à un certain stade aujourd'hui qui fait que nous allons regarder ensemble dans la même direction? Il faut dire merci au RDR. Merci beaucoup au RDR. Merci beaucoup au président de la CEI. Merci beaucoup à tous ceux qui sont allés casser les urnes. Merci à ceux qui ont volé les voix. Merci à ceux qui ont inversé les voix. Moi, je dis prenons ça positif parce que c'est bon pour la Côte d'Ivoire et c'est bon pour demain. C'est bon pour demain. Demain, on ne va pas vivre ça. Je vous dis, on ne vivra pas ça. Alors, make a noise. Mettez, j'ai conjugué ça. Chantez, dansez et dites merci à Dieu. Dites merci, merci au RDR. Je dis merci au RDR, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tout ce qui s'est passé durant ces élections-là. Les Ivoiriens, ils vont se mettre ensemble désormais parce qu'ils ont vu. Je vous aime. Bye bye.